Ugh. Allô, bonjour. Toujours plus d'entrain dans la voix. Ok. Point scénario. Non, point farming. Comme j'avais dit, je me suis pas embêté à choper les skins parce que ça en vaut pas la peine en fait. C'est devenu trop compliqué pour les avoir, même si certains ont l'air cool. Genre celui-là et celui-là, ils ont l'air stylés. Mais voilà, il faut 10 gemmes et... Les trucs des pourcentages de Wumpa et des gemmes cachées, c'est faisable pas trop, sans trop de problèmes. Par contre, le toutes les caisses et le 3 max, c'est chaud. Et si je fais les pourcentages et les gemmes cachées, ça me fait 8. Enfin bref, c'est chiant. C'est chiant et j'ai plus envie de me casser la tête avec ça. Et sinon, point scénario, on s'est à nouveau fait trahir par Cortex, quelle surprise, qui est retourné dans le passé pour s'empêcher lui-même de créer Crash, j'imagine, ce qui n'a aucun sens parce que s'il fait ça, il n'aura jamais accès à la machine à voyager dans le temps et donc il pourra pas s'empêcher lui-même de... Enfin bref. Le truc habituel, quoi. Bon, puisqu'on est dans les premiers mondes, on va peut-être prendre les skins classiques, non? Celui-là est vachement stylé, je trouve. Allez, bon, je m'attends à galérer encore plus que pendant tout le jeu. Mais je me dis que j'approche de la fin, donc je vais essayer de pas trop me plaindre, d'aller jusqu'au bout. Là, j'ai plus vraiment d'objectif au niveau des gemmes, donc je m'en fous un peu. Les cassettes, bon, de toute façon, en faisant le niveau la première fois, c'est quasi impossible de pas mourir jusqu'à la cassette, vu qu'elles sont assez loin. Donc là, il n'y a pas trop de pression. Toi? Vous êtes super collant! Lâchez-moi la grappe! Qui est sur ma fréquence personnelle super secrète? Quoi? Qui est cet imposteur? Tu ne reconnais pas ton propre visage? Je viens du futur pour te prévenir. Si tu tentes de faire de Crash Bandicoot le général de ton armée, tu vas échouer! La machine rejette! Imposteur! Démon! Embryo! Sonne l'alarme! Pourquoi est-ce que je refuse de m'écouter? Bon, encore une fois, ça n'a aucun sens d'un point de vue voyage dans le temps. Puisque si c'était montré à son lui du passé, il s'en souviendrait en fait. Écoutez-moi, Lacret. Logiquement. Un imposteur en liberté. Il est identique en apparence. Des yeux globuleux, des lèvres comme des bananes, la peau d'un raton atteint de jaunisse. Bref, un canon de beauté. Bon,
pareil, je vais pas essayer d'avoir toutes les caisses. On va se contenter du minimum. Là ou pas, les angles de caméra éclatèrent. Qu'est-ce que... Ok. Ah, je crois faut que je leur saute dessus pour qu'ils lèvent le truc. Et ensuite, pas du tout. D'accord, donc ceux qui ont le bouclier en bas, je leur saute dessus et les autres, je leur... Oh là là. Quoi ? Ah, il va y avoir un masque pour inverser, je pense. Il y avait un truc à droite là, enfin à gauche. Je me souviens pas. Ah non. Bon, ils peuvent changer au dernier moment de truc. Bon bah du coup c'est déjà mort pour la cassette. Pas étonnant mais toujours... toujours aussi frustrant. Surtout que là si je finis le jeu... Bah si je finis les niveaux... Après je passe aux cassettes... Et... Ah putain, je suis nul. Et du coup, il faudra peut-être que j'essaie de choper les cassettes qui me manquent avant d'y aller, là. Je voulais toutes les avoir avant de m'y mettre. Ah, il y a une caisse là-haut. Je me demande s'il y a quelque chose là-haut. Est-ce que j'ai envie de tenter le coup ou pas? Ah, c'est horrible. Yes. Bon, il y avait là, je vais me cacher. Je m'en doutais un peu. Mais c'est relou du coup. Et en plus, comment je fais pour revenir après? Genre la roue elle tourne dans... Peut-être qu'on peut passer de l'autre côté aussi.
Ça, typiquement, c'est le genre de truc, si tu connais pas, t'es obligé de te faire tuer au moins une fois, quoi. C'est moche. Bon, les caisses, on s'en fout un peu. J'essaie quand même d'en choper quelques-unes, mais je vais pas plus m'emmerder que ça. Je vais tomber à cause du rebond. Ça s'arrête jamais. Ok, il fonce en ligne droite. Il y a un coup à coup là, mais est-ce qu'il vaut le coup? Bon. I guess so. J'ai tombé sur la nitro là. Non. En vrai, je m'en fous des caisses, surtout pour le à coup à coup. Bizarre quoi. Des fois il me détecte de super loin et des fois je comprends pas trop. Ok. Oh c'est de... Enfin, dommage. C'est pas vraiment dommage mais... J'aurais bien aimé qu'on ait exactement le même niveau que dans Crash 1. Mais genre en 3D stylé et tout. J'essaie de repérer aussi à quel moment se trouve la... La cassette. Plus elle est loin, plus ça va être chiant pour l'avoir et donc j'ai pas hâte. Balance pas d'électricité là. Il attend que je sois là. Oh non. La cassette est toujours pas là. Oh, je suis un imbécile têtu qui va détruire son propre avenir. Oh, je suis un imbécile. Hey, attends une minute. Super. Je vais jamais pouvoir avoir la cassette. Je dis ça à chaque fois et je finis par l'avoir, mais... Non, j'ai dit que j'arrêtais de me plaindre. Mais vraiment, ce genre de phase, c'est de la merde. C'est de la merde à tous les niveaux.
Bon, en fait, la cassette, elle est à la fin du niveau, quoi. Pour faire simple. Il y a un piège, là. Pas de piège. Elle est là-bas, je crois, la cassette. Ah non, c'est le bonus. Bon, j'allais voir le bonus, mais si c'est trop galère, je vais pas m'embêter. Je crois que c'est la première fois que je vais faire ce try à un niveau bonus. Ça a failli très mal tourner. Il y a toujours pas de traces de la cassette. Hein. Je veux pas être alarmiste. Mais je le suis un peu. C'est vraiment, ils ont décidé de. Enfin, de vraiment tout. De faire en sorte que tous les trucs. Ah, elle est là-bas la cassette. Faut que j'arrive jusqu'ici sans mourir. Je suis mort 6 fois déjà. C'est faisable, hein, mais quel enfer. Et merde. Devant la fin. Exactement combien de cassettes il me manque en tout. Est-ce que je peux le voir? Ah bah attends, 1 sur 21, attends. Ok, il m'en manque 3. Donc celle-ci là, de ce niveau là, et il en reste encore 2 après. Autrement dit, ça risque d'être compliqué de toutes les avoir. En vrai, je vais pas me... Me faire du mal. Au secours, cette phase. Mais au secours. Je vais pas me faire du mal et les dernières cassettes, je les prendrai pas. Ou je le ferai hors stream si jamais j'ai envie de me faire souffrir plus. Je pense ne sera pas le cas. Il y a un moment il faut que j'applique ce que je dis en fait. Les jeux comme ça où je prends pas de plaisir, il n'y a pas de raison de pousser et de compléter quoi. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas et je vais pas me faire chier à tout ramasser. Allez, il monte cette phase. Ça va très très vite le courant. Ok. Bon, le skin a l'air stylé, mais bon. Sans moi.
Je viens de dire que j'allais pas me faire chier à essayer et j'essaye direct et en stream alors j'avais dit que je le faisais pas. Vraiment, j'ai aucune rigueur. Bon, j'essaie 3 fois. Sachant qu'à chaque fois que je perds, je dois recommencer et me retaper le chargement. Donc j'essaie 3 fois maximum et si j'y arrive pas, je passe au sûr. Il y a un moi imposteur en liberté. Il est identique en apparence. Des yeux globuleux, des lèvres comme des bananes, la peau d'un raton atteint de jaunisse. Bref, un canon de beauté.
tellement injuste. J'ai essayé d'anticiper et j'avais deux masques. Et les masques ils servent à rien dans ce genre de situation. Et c'est débile. Autant que pour les chutes, je peux comprendre, le masque il va pas te faire remonter. Mais que là, ça ne permette pas de continuer, c'est vraiment débile. Les masques ils servent à rien. C'est ultra injuste. Yes, des wagons, encore des trucs avec des cycles. On adore. Oh, pourquoi est-ce que tu... J'ai choisi un Bandicoot. Si j'étais resté avec le Walmart, tout ça aurait pu être différent. Ah, les Walmart. Ce Bandicoot est fort, intelligent et surtout loyal. J'ai envie de voir s'il y a des trucs, mais non, y'a rien. Attends, elle est où la caisse? Tout là-bas au fond? Non. Il doit y avoir une caisse point d'exclamation quelque part. J'ai déjà raté un truc. C'est abusé, je vois pas la... Bon c'est pas dramatique hein, mais... Ça se trouve elle est à la fin du niveau, il faut tout revenir. Bah non mais ça on peut pas le reprendre dans l'autre sens je crois. Mais je vois pas où elle est. Je déteste les trucs avec des cycles là. Putain, je me fais avoir à chaque fois quoi, je suis nul pour ça. Attends, ah elle est là-bas. J'avais pas vu. Pourtant je suis bien venu jusqu'ici mais...
la pomme. La Wumpa, parce que ce ne sont pas des pommes. Wow. Est-ce que les lasers tuent? Ah non, c'est parce que j'ai les 4 gemmes, je pense. Ok, donc ça confirme qu'il y en a seulement 4. Par contre... Ah, il y a des caisses là-bas. Est-ce que je dois d'abord faire ça, puis revenir? Quel enfer. En plus, what the fuck. Mais what, mais il y a tellement de caisses, c'est normal ou pas? Bon, j'essaie de revenir en arrière. Parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas. Je sens que ça va être giga dur parce qu'on est censé être un crack si on est arrivé jusque là. Ce qui n'est pas du tout le cas. J'essaie de temporiser et de regarder ce qu'il y a devant. Il y a une gemme là-bas. Je sais pas s'il y avait des caisses ou pas, mais la flemme d'aller voir. J'ai voulu aller trop vite. Ah putain, du coup je reviens là. C'est pas trop grave en vrai. Ouais, ça réinitialise les caisses. Caisses qui ont 5 rebonds comme ça là, quand on saute une fois dessus et qu'on s'en va et qu'on revient, elles en ont plus qu'un. Elles se cassent direct. Hein. J'imagine qu'il va y avoir 4 sections et qu'à chaque fois on va prendre une gemme pour aller à la suivante. Par contre, ouais, du coup, pour avoir toutes les caisses dans ce niveau-là, ça doit être coton. C'est une blague, ça? Attends, c'est-à-dire que si je prends pas le rebond sur la TNT là-bas, je peux plus jamais monter après, si?
Oh, quel enfer. Ok. 2 sur 4, y a pas de checkpoint, j'imagine. Sinon, c'est pas drôle, sinon, on n'est pas un vrai gamer. Alors, ça se déplace et ça tombe, j'imagine. Non, ça tombe pas. Ok, le timing est vraiment chaud. Yes, évidemment, c'est un gars qui change, du coup, j'ai voulu bouger et je suis tombé. Génial. Gros jeu. Juste voir s'il y a des caisses à droite. Ah oui, il y en a encore. Alors là, par contre, c'est impossible qu'il y en ait derrière, je pense. Enfin, c'est impossible qu'il y en ait plus loin et qu'il nous demande ensuite de revenir parce qu'on peut pas. Bon, je vais réessayer, hein. Même si j'avais dit que j'arrêtais de me forcer à faire des trucs chiants. C'est pas demain la veille que je fais ce que je dis. Merde. En vrai, ce sera ma résolution pour l'année prochaine. Une de mes résolutions. Arrêtez de me faire du mal. Bon, là, la première partie, ça va. Deuxième, ça devient plus chaud. Je l'ai passé tout à l'heure, je suis pas sûr de le repasser là. Bon, si jamais j'y arrive pas, après je repasse par le chemin normal et tant pis. Ce qui serait horrible, c'est que la cassette soit de ce côté-là du niveau. C'est court. Très très court. Ah mais on peut passer en haut en fait je crois, j'ai vu une caisse en haut, où faut revenir après peut-être, bon nick. Ça y est, le jeu m'a définitivement saoulé. Des caisses après, hein. Donc je crois qu'on est censé revenir. Je sais pas trop comment, mais. Il y a même des caisses là, ça n'a aucun sens. Ou alors le truc nous ramène peut-être au même endroit. C'est possible. J'ai réussi à rattraper ça, je sais pas trop comment, mais... En vrai, ça se trouve, c'est juste pour la gemme cachée. Hein. Yes, sûr qu'il y avait un truc là-haut. C'est moche parce qu'il y a un truc qui va me bloquer si je me mets droit. Ok. On va check le bonus vite fait. Oh là là. Ça me fatigue déjà. Rien que ça, là, les deux caisses qui sont pas synchro, ça me casse les couilles. Bon, tant pis pour la pomme. Oh,
sert à quoi d'avoir un masque si s'il protège de rien en fait, je comprends pas. Vraiment le masque à coup à coup il sert à que dalle dans ce jeu. Sérieusement, faut qu'on m'explique. Pourquoi ça marche pas? What the fuck? Bon, nique ta race. Ça me gaffe de ouf là. On a atteint un point, on a atteint le point nique ta race en fait. Merde, je vais crever. Ah, c'est bon. Oh, le château. Ah non, c'est la glissade. Ah non. Que dois-je faire pour prouver qui je suis? Nom de ma mère, Charles. Premier animal de compagnie, caillou avec des yeux globuleux. Plat préféré, pâte au beurre, avec le beurre à pain. Embryo, change le mot de passe de mon journal. Cette brute fouille dans mes affaires. Ok, donc la cassette est là. En plus, déjà, il faut arriver jusqu'ici sans mourir. Je suis mort 8 fois. Bon, après, j'ai tenté le truc relou. Donc, hein. Mais en plus, il faut arriver à la choper sans mourir. Il y a un niveau comme ça où j'étais arrivé plusieurs fois jusqu'à la cassette sans mourir et je suis mort en allant la prendre. Il y a deux niveaux comme ça. Même. Ultra relou. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, d'accord. Hitbox, c'est vraiment un petit peu nerf la chance quoi.
Ça, tu peux faire exactement le même mouvement. Un coup ça passe pas, et t'as aucune idée de pourquoi sur toi. Voilà, j'ai encore pris un dégât là, on sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce que je tente là? C'est logique que j'ai raté autant de cases vu que... Il y a le... Ouais, j'ai eu 0 gemme quoi, la honte. J'ai même pas eu 40% des pommes. Il faut 11 gemmes pour avoir le skin, c'est n'importe quoi. En fait, je trouve ça débile qu'il te demande d'avoir encore plus de trucs là où la difficulté est encore plus élevée en fait. Faites l'inverse, demandez plus sur les premiers niveaux qui sont moins compliqués à farmer, enfin je sais pas, c'est vraiment une philosophie que je comprends pas. Ouais, il y a des tableaux, trop bien. Des tableaux, mais on peut pas les regarder. Si, ça va. Salut Pepper. Et salut Max. Ben, toujours le plaisir, non. Pas trop. Ah, d'accord. Comme le passage derrière le portrait de grand-père qui s'ouvre quand on appuie sur la fosse nasale triangulaire. Mais comment ? C'est qui son grand-père ? C'est lui là ?
Comment je fais pour monter là-haut? Est-ce que j'ai vraiment envie de monter là-haut? Non. Allez, je crois qu'il faut sauter à gauche, non? Ça n'a aucun sens. Comment je suis censé monter là? Ah mais non, mais en vrai, les nitros, elles peuvent disparaître. Ça doit être faisable. Ok. Je sais pas pourquoi je m'emmerde à faire ça alors que j'ai complètement abandonné l'idée d'avoir toutes les... Yes. Toutes les caisses ou toutes les Woombas ou... Enfin tous les skins surtout. Là, clairement, la seule chose qui a fait que je suis pas mort, c'est la chance. Quoi. Encore un exemple de... T'es obligé de mourir une fois avant de savoir. Un exemple parmi de nombreux. Yes. Late box. Vraiment, il n'y a rien qui va. Des plateformes sur lesquelles il faut. Des plateformes qui vont très vite. Il faut stopper le temps. Et elles ont le bord qui pique. Et les hitbox sont éclatées. Donc quand tu essaies de sauter dessus, tu meurs. Il n'y a rien qui va. Il n'y a pas une bonne idée dans le truc en fait. Enfin, non, en vrai, séparément, c'est des bonnes idées. Mais tout ensemble, c'est la pire idée quoi. Sérieux? Je
pensais qu'il n'y avait pas moyen de rendre ça pire, mais apparemment... Bon, j'ai ça le bonus, mais c'est surtout pour le checkpoint. Ça va trop vite, on peut pas voir les... les vitraux, les décors et tout. Sûr qu'on ait le droit de faire ça, mais je le fais. Ah yes, bien joué. Toujours un plaisir de prendre des risques pour avoir un masque qui ne sert absolument à rien, parce que le masque protège de rien. Vraiment, on adore. Pas se poser dessus, c'est n'importe quoi. Des plateformes spéciales qui ont pas d'adhérence, c'est ça? Ok, le jeu ne veut pas qu'on fasse ça, quoi. Ok, on peut genre marcher dessus à peine, mais genre il n'y a pas de... En fait, vraiment, l'inertie, c'est genre... C'est selon, quoi. C'est genre... Il n'y a aucune règle. Certaines plateformes vont réagir d'une façon et d'autres pas du tout. Et... On s'en fout, quoi.
Yes, encore un niveau recyclage. Salut Adrien, KH fan. Ouais, je trouve aussi que... Mais même pas le 100% en fait, même le jeu de base, je le trouve beaucoup trop compliqué. Par rapport aux anciens Crash. Mais oui, clairement, à la limite, si ton but c'est juste de finir les niveaux, tu finis par y arriver quoi, c'est pas trop grave. Mais dès que t'essaies d'avoir les gemmes ou les trucs, ou même juste les cassettes, enfin bref, y a trop de trucs qui vont pas dans le jeu. Tu peux pas faire un jeu aussi difficile et blindé de pièges. Et en même temps demander de pas de finir le niveau sans perte de vie quoi, ce genre de truc. Ah yes, je me demandais justement si un jour ils allaient s'amuser à combiner les masques. Bah oui. Yes. Bah ouais, moi j'aime pas la difficulté, mais genre pas du tout. Et du coup, en fait, non, c'est bizarre parce que les anciens Crash, moi je les considère comme étant quand même assez difficiles. Relativement difficiles, pas très difficiles, mais assez difficiles, surtout si tu veux toutes les gemmes et les reliques et tout. Mais je sais pas, ça restait faisable quoi. Là vraiment, il y a un moment dans le jeu où je me suis dit c'est impossible et je vais même pas essayer parce que je vais devenir fou en fait. Et du coup c'est décevant et... Enfin je sais pas, ça me fait chier d'acheter un jeu... pour lequel j'aurais pas accès à tout le contenu quoi. Au secours. Okay. Après c'est aussi mes attentes qui font que... C'est aussi mes attentes qui font que je suis déçu et j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont été satisfaits. Mais... J'en remets ça mais franchement... Merde. Heureusement qu'il y a un checkpoint. Et à la limite, bon la phase ok, mais... On te demande de faire tout ça sans mourir, c'est ça qui me rend ouf en fait. Ne touchez pas là. Ah, bref, il y a ça, il y a la combinaison aussi de tous les petits défauts du jeu qui deviennent insupportables. En fait. En soi, ils sont pas gênants, mais ils deviennent insupportables dès que... Bah, dès que t'arrives à un stade du jeu où c'est beaucoup plus exigeant. Merde. Ouais, moi j'attendais du jeu qui soit comme les anciens, en fait. Et ils ont vraiment pris une autre façon de voir les choses qui me va pas du tout. C'est un peu dommage, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Ah, je crois qu'il faut que je passe plus vite que le truc. Il faut que je saute derrière et que ensuite je revienne devant, non? Non! Presque. Ah putain, mais attends, après je fais comment? Ah, ou alors peut-être que le tourbillon me protège des lasers. Si ça me protège pas des lasers, je vois pas comment on passe derrière. Ok, ça protège les... Ah bah non, ça protège pas, il y a eu un fallait pas déconner. Ça a failli passer. Yes, bien joué.
Ouais, bah, de ouf. Bah, enfin, au début, quand j'ai vu le choix entre moderne et classique, là, je me dis, bon, c'est bizarre. Je veux dire, le jeu de base, enfin, les premiers étaient pas si difficiles que ça, quoi, donc je comprenais pas trop. Et maintenant, je comprends mieux. Et mon cerveau fonctionne plus. J'arrive vraiment pas à assimiler les doubles sauts en fait. Enfin, je sais que j'ai droit qu'à un seul double saut, que je sois en pas en toupie ou en toupie. Mais... Mais de là, enfin, à m'en souvenir dans le feu de l'action, c'est un peu... Enfin, j'ai trop du mal, quoi. Enfin, c'est chiant en fait, on te demande de regarder à l'endroit où tu es et à l'endroit où... devant et anticiper, et enfin, je peux pas faire ça en fait. J'étais presque. Putain, et en plus après ça, je dois faire quoi? Je dois aller vite ou pas? Non, après j'ai le temps de me poser normalement. Spyro 4, normalement c'est prévu. Hein. Enfin, ça a été teasé dans le l'artbook de Crash 4 justement. Merde. Mais bah, pour le coup, maintenant que j'ai joué à Crash 4, je suis pas sûr d'avoir envie d'un Spyro 4 en fait. Enfin, tout dépend de ce qu'ils vont vouloir faire, mais je sais pas. Très honnêtement, s'ils font la même chose que pour Crash, je vais vraiment être très déçu parce que j'aime beaucoup plus Spyro que Crash. J'aime bien Crash, mais... Après, bon, ça m'empêche pas de rejouer aux trilogies de base, hein, mais enfin, c'est dommage, quoi. Sachant que ça faisait longtemps qu'on attendait des suites et tout, et que ça devienne un délire de... Gamer à la con là, ça me... ça m'attriste un peu. Merde, j'ai fait mon double sort. Ouais, c'est ça, mais enfin, c'est ce que je me dis aussi. Spyro, ça a jamais été des jeux difficiles, mais Crash non plus. Enfin, je sais pas, je trouve pas que les anciens Crash soient si difficiles que ça, quoi. Encore une fois, pour le 100% oui, mais pour jouer normalement, ça va quoi. Enfin, pas du tout au niveau du remake, enfin du 4. Donc, je sais pas, on verra bien. Mais ouais, pour moi, Spyro, c'est plus... Bah, t'as des maps, t'as de l'exploration, à la limite, t'as des mini-jeux un peu relous. Qui sont... un peu usant pour les nerfs, mais...
La naïveté. La naïveté du... Ouais, je vais pouvoir me poser après. Putain, c'est la fin, juste derrière. J'aime bien parce que plus tu meurs, plus ils te mettent des masques, alors que les masques servent absolument à rien dans ce jeu. Ok, et donc là, ce skin, pour avoir ce skin-là, il faut avoir 12 heures. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ouais, mais ça m'étonne même pas. En fait, ah oui, mais en plus, faut le refaire pour faire cette version-là. Là. En plus, il n'y a même pas d'histoire des cristaux de base des niveaux, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire tous les niveaux. Il n'y a pas d'obligation, entre guillemets. Est-ce que j'ai vraiment envie de refaire le truc? Je ne crois pas. En vrai, le souci, c'est pas le nombre de morts, c'est est-ce que c'est rigolo, quoi. Là, pour le coup, c'était pas rigolo. C'était jamais rigolo. Enfin, c'était jamais amusant, quoi. Même en ayant réussi, y a pas de satisfaction ou quoi, donc... L'ennui. Ah oui, donc il a enfermé son lui du passé, donc vraiment, niveau cohésion, ça n'a plus aucun sens. Rendez-vous compte de l'ampleur de mon obstination? Oui. Je dois l'empêcher, lui, de te créer toi. Mais je ne peux pas le tuer parce que je me tuerai aussi. Ah bon, ah bon. Alors, attends, la règle elle marche dans ce sens-là, mais elle marche pas dans le sens où tu viens d'empêcher ton propre toi de... Enfin, tu essaies d'empêcher ton propre toi de... Bah, d'accéder à la machine, en fait. Sur le tyromatique, tricheur! Arrête ça! Alors, à la limite, qu'il n'y ait aucune cohésion temporelle, ça me dérange pas, tu vois. Mais que derrière, ils utilisent une notion de cohésion temporelle pour... la non-existence. Pour le scénario, là, par contre, c'est un peu du foutage, les gars. Super! Ok. Ah oui, en fait, j'ai phasé à travers le sol, puis... Merde. Ouais, bah c'est littéralement du speedrun, hein. En fait, c'est des passages qui sont tellement tendus que... Merde. C'est des passages tellement tendus qu'il n'y a pas vraiment de moyen de prendre son temps, donc... Bah, donc au final, c'est la même chose que de s'entraîner au speedrun, ça. Oui, tout au
travers. Ah merde. Des orientés. Ah, on reprend quand? Ok, ça va. Tes petits neurones grillés. C'est bien parce que c'est les couleurs inversées à rond et. Et croix. Assistant, allez! Je vais me prendre la roquette. Tu ne tiens pas le rythme? Réfléchis vite! Ah non. Quoi? Réfléchis vite! C'est pas réfléchis vite, c'est meurs à chaque fois au moins une fois, sinon. Ça c'est vraiment pas une question de réfléchir en fait, hein. C'est une question de... T'as pas le choix et donc c'est juste faut mourir une fois sinon... Ou alors t'as des bons réflexes mais... Réflexe ça veut pas dire réfléchir. Je vais mourir. Heureusement qu'il fait revenir tous les... Non. Réfléchis vite. Tout doux. À vos marques, prêts. Tremblez devant moi. Incroyable. Ok. Réfléchis vite. J'en ai assez de tes bêtises. Incroyable. Arrête ça. Assistant, au secours. J'ai dû prendre un coup dans le lobe temporal. Mais un adversaire à terre, ça ne peut signifier qu'une chose. Il est venu se battre et j'ai gagné. La première chose que mon nouveau général va faire, c'est se débarrasser de toi. Nous sommes plus près que jamais. Vite, dans le vortex. Oui, donc là, c'est quand il a créé Crash. Le vortex n'est pas prêt. Non mais ils ont pas le droit de faire ça. Je suis désolé, ils ont pas le droit de faire ça. Tout s'explique. Restez. Qu'est-ce que vous allez me faire? On dirait que quelqu'un a besoin d'aller se calmer quelque part où il ne pourra pas causer de problème. Profite bien de la fin de l'univers. Ils ont pas le droit d'utiliser la continuité de l'espace-temps alors qu'ils ont chié dessus depuis deux chapitres. Avec notre nouvelle salle de restaurant à Saint-Mont-Trois-Murs,
Ils ont pas le droit d'utiliser une règle quand ça les arrange et de pas l'utiliser quand ça les arrange pas, ça m'énerve. Je sais que c'est pas le propos du jeu et qu'on s'en fout, mais... ça ajoute à l'énervement. Enfin tranquille. Oh, on y est presque. Allez, ouais. Oh, ouais. 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 Crash, à toi. 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas de plot twist genre « Hey, t'as pas chopé toutes les gemmes, t'as pas eu la fin, la vraie fin ?» Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec de véritables marsupiaux, masques parlants, hybrides dingo-alligator ou savants fous à tête bizarre, vivants ou morts, serait purement accidentelle. Vous n'auriez pas dû jouer à ce jeu si vous souffrez de allergie aux Wumpa, urticaire liée à Crash, peur des dimensions alternatives, peur des plateformes mouvantes, peur des plateformes fixes, peur des suites, peur des bruits d'écrabouillement, peur des bruits de rebond, peur de la super-science, peur de la collecte de choses, peur de la nostalgie des années 90, incapacité à comprendre les paradoxes temporels, incapacité à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, incapacité non, à choisir je suis pas d'accord. Quand on vous demande ce que vous voulez manger, incapacité à vous souvenir où vous êtes garé ou estomac délicat. Pour en savoir plus sur les bandicoots et leur régime alimentaire, leur habitat, leur vie en communauté, leurs idées de cadeaux d'anniversaire et leur pointure, allez dans votre bibliothèque ou demandez à votre grand-mère. Je ne sais pas si elle s'y connaît beaucoup en Bandicoot, mais elle est très sage et elle appréciera d'avoir de vos nouvelles. Les créateurs de ce jeu ne soutiennent en aucune façon le resto de Dingo, dont on sait qu'il provoque des coulées transdimensionnelles, des failles intestinales, des toux de Wumpa, des... Elle est morte, ma grand-mère. Téléportation aléatoire dans des lignes temporelles sombres, en plus de provoquer des miaulements de chatons incontrôlables pendant les réunions d'affaires importantes. Toute présentation, distribution ou copie illégale de ce jeu donnera lieu à un gros chagrin. Et pourquoi voudriez-vous nous causer du chagrin? Nous avons toujours été gentils avec vous. On a même dit que votre nouvelle coupe de cheveux était super alors qu'elle ne vous allait pas du tout. Les invités de Crash Bandicoot résident dans les suites de la plage Insane, le rondin avec un peu de mousse dessus. La mousse est très agréable, vous devriez passer une bonne nuit. Quoi, vous êtes trop bien pour dormir sur un rondin? Désolé, votre majesté, vous voulez aussi un petit déjeuner à l'anglaise plutôt qu'une poignée de fourmis dans le nid et sous le rondin? Certaines personnes ne sont jamais contentes. Vous pouvez me donner une minute? Ok, je suis prêt à repartir. Les événements décrits dans ce jeu sont 100% officiels, sauf si vous n'avez pas aimé, auquel cas tout ceci n'était qu'un rêve. Bon après, le scénario dans les Crash, c'est pas non plus central, donc c'est pas trop grave. Quoique, en vrai, dans les épisodes PS2, ils avaient tenté des trucs un peu plus, quoi, il y avait la fille de Cortex dans je sais plus lequel, il y avait... Bah dans Twin Sanity, il y avait genre les deux qui étaient obligés de travailler ensemble et tout. Ils avaient tenté des trucs un peu plus... Mais là, ça me... Enfin... Ça me dérange pas qu'ils soient repartis sur comme les trois premiers en mode... il y a juste une personne qui veut conquérir le monde et puis on essaie de l'empêcher quoi. Après, bon, l'histoire du paradoxe temporel et tout... C'était un peu... Je sais pas. Bon, c'est clairement pas le reproche principal que je fais au jeu, mais ça m'emmerde. Ils sont même pas fait chier à mettre une musique, quoi. Ah ouais, l'OST, grosse déception par contre. Ça rajoute encore plus la déception, mais l'OST, je la trouve mais vraiment transparente en fait. Je crois qu'il y a genre une ou deux musiques dans tout le jeu que j'ai trouvé sympa sans plus. Tout le reste, c'était vraiment genre musique de fond quoi. Enfin, on les remarque même pas. Il y a pas de mélodie. Il y a le thème de Cortex et celui de Crash qui reviennent de temps en temps quoi. Mais il n'y a rien de ouf, alors que toutes les musiques de Crash 1, 2, 3, enfin je sais pas, elles sont beaucoup plus marquantes. Donc bof.
Bon, je pense pas que je vais essayer de... De choper les... Enfin, je suis sûr que je vais pas essayer de choper les trois dernières cassettes, là. C'est beaucoup trop dur. Encore la troisième dernière, il y a moyen. Mais les deux dernières, c'est... J'ai même pas envie d'essayer, quoi. Et par contre, maintenant, faut que j'essaie de faire les niveaux des cassettes. Alors, je les ai gardés pour la fin parce que j'aimais bien, mais ça se trouve, les derniers sont horribles et j'aurais peut-être pas dû, mais bon, on verra bien. Ah, ça y est, on arrive aux gens qui n'ont absolument rien fait sur le jeu, mais qui ont suffisamment de contacts pour avoir leur nom au générique. Ouais, ça respecte pas les... les gens qui travaillent sur les jeux vidéo. Ça met des trucs par-dessus le... Par-dessus le générique, bravo. William Danger Robinson. Une personne qui insiste pour que ça soit marqué William Danger Robinson dans les crédits, je... De base, j'ai pas confiance déjà. Je pense que c'est à cause de ce genre de gars qui est... Que le jeu est trop difficile. Hey Janik 7. Yeah, I just finished it. I usually never skip credits, so but it feels a bit awkward without the music, but well. C'est vrai qu'on n'a même pas encore eu les voix et tout là. Si Martial le minou. Yeah, it's really weird because it's really long and I don't know. I would have
put some music or something just to... I'm from France. No, I wouldn't have said that it's a fun game. Yeah, actually the credits kind of look like the whole game. Like it's too long, it's kind of becoming painful. Salesforce developer. Yeah, loadings are quite terrible, especially when you have to restart the level because you're trained not to die a single time. Eh ben, Frédéric Jupin de Fondomière, ça va les contacts là? Bon, je vais rien dire sinon je vais avoir des soucis, mais... Il y a des noms qu'on voit partout et on est de moins en moins étonnés. C'est vraiment les gens qui ont rien à voir avec le jeu, c'est juste qu'ils ont plein de contacts et ils peuvent avoir leur nom au crédit. Leur nom et une part du gâteau, j'imagine. Ouais, ils ont mis la stagiaire là où le stagiaire compta. Incroyable. Thanks. But I can speak French with a French accent if you prefer. Alain Corona. En fait, c'est tellement long qu'on est obligé de se mettre à se moquer des noms alors qu'on n'a pas envie à la base, mais au bout d'un moment, on n'a plus rien à faire. Q&A, les gens sous-payés. Voilà, tous ces gens-là, là, des gens qui travaillent beaucoup trop pour beaucoup trop peu de considération et d'argent. Enfin, c'est pas les seuls, mais...
I'm gonna do the tapes levels. I don't know how they're called in English. The tapes you have to collect by not dying. I like those levels, so I kept them for the end. There's three tapes for the last levels that I didn't collect. I'm not sure I'm gonna try to take them because it's a bit too hard for me. But yeah, I have, I don't know, 10, maybe 12 levels to do. Il n'y a toujours pas eu les doublages, là. Je sais qu'en général, c'est gardé plutôt pour la fin, mais... Wow, supply chain. Il y a vraiment tout le monde. Et encore une fois, je suis même pas sûr que... qu'il y ait les gens... Je sais pas, je prends toujours l'exemple, mais les agents d'entretien des bureaux où ils bossent, quoi. Je pense pas qu'ils soient crédités dans les crédits. Ou les, je sais pas, les cuistots de la cafette, s'ils ont une cafette, ce genre de truc. C'est peut-être juste dans les remerciements. Et encore. Yuri Lowenthal, qu'est-ce qu'il fout là? Bon bah non, pas de douleur, j'ai raté peut-être. J'ai pas fait attention. Ah, c'était dans Talents, c'était peut-être juste la liste des doubleurs sans les personnes qui ont doublé qui. Enfin, sans qui a doublé quoi. Et B. What? Sérieux? Je savais même pas qu'on pouvait débloquer un truc comme ça. Continue? Eh bien non, je refuse. Bon, du coup, t'es assez décidé, mais non, tout simplement non. Y a pas de. Ouais. Y a pas vraiment de. Comme dans les anciens Crash, de trucs où ils te disent, hé, hey, t'as pas fini le jeu à 100%, donc y a une fin secrète, machin. Du coup, je sais pas s'il y a un truc à gagner avec ça. Alors, ouais, du coup, j'ai 18 cassettes sur 21 et j'en ai fait que 7, donc j'avais quand même pas mal à faire. Ah, mais il y a des nouvelles galeries. Ah ouais, donc il y a ça quand même. Qui est bloqué si on n'a pas... Si on n'a pas tout. Au final, c'est pas très... What? Ah non, non, mais ça va. Ouais, donc ça doit être les cinématiques... Ça doit être la cinématique de la fin secrète que j'irai voir sur YouTube. Ok. Celle-là de cassette, je pense que je pourrais l'obtenir si j'essayais un peu, mais j'ai la flemme. Et les deux dernières, je vais même pas essayer. Ok. Yeah, I'm not sure what the last thing you unlock is, but I'm sure I'm not gonna I'm not gonna unlock it ever.
Et du coup, dans les cassettes, ils réutilisent les musiques des anciens Crash, donc c'est bien. Nope. Il faut que je passe au milieu. Réfléchisse à ce que je veux faire. Non, faut que je passe par en bas, je pense. Ok. Ouais, ça va être dur ça. Ok. Non, j'ai pas répondu, j'ai complètement mis. Mon perso préféré. Je sais pas trop. Je sais pas si j'ai vraiment un perso préféré. J'aime bien Cortex, mais il est souvent sous-exploité. Après, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Tauna dans celui-là. Bon, c'était un peu le perso invisible et inutile de Crash 1, donc... Ah yes, ça va être chiant ça. Cortex, ouais, c'est le méchant. Lui là-bas derrière. Après, j'aime bien aussi Crash et Coco et enfin, tous les autres, donc j'ai pas vraiment de grosse préférence marquée, quoi. Celui-là est mort. J'essaie de sauter dessus, comme ça, ça me cale direct sur le truc. C'était pas une erreur de ma part là, c'était le la manette qui a mal réagi. Ça fait déjà longtemps que je voulais racheter une manette. Je vais pas le faire parce que du coup maintenant la PS5 est sortie et au final j'aurais réussi à tenir la génération sans racheter de manette. Mais des fois la touche croix ou rond sur certains jeux ça galère un peu quand même. Je sens qu'elle est plus aussi réactive qu'avant.
caisse à moi. Oh, j'aime pas ça. Attention. Nice. Continue comme ça. C'est vraiment cool les niveaux comme ça, je trouve. Final B. Dominer le monde demande du temps et de la patience. Ça me fait mal de réentendre les musiques qui sont trop bien des premiers jeux en fait. Did I like the game? It's complicated. I really enjoy the three first Crash Bandicoot, so I think my expectations were a bit not necessarily high, but different from what they decided to go with. So I was kind of disappointed. But the game is really beautiful. Maybe a little bit too beautiful at some places because you can't see what you want to see. But yeah, overall it was okay. But yeah, it's asking too much of it. J'ai failli dire en fait. it's asking too much. Like you can't put so many traps and at the same time ask people to not die a single time. It's not compatible, I think. So yeah, there's a lot of choices that don't really make sense to me, and I'm not a huge fan of big difficulty and stuff like that. Like, for example, the difficulty in those levels is pretty good, I think. It's not easy, but it's not too hard, and it's not unfair. That's the thing that really bothered me. There's a lot of moments in the game where you have to die in order to learn the level, and you have to die, and at the same time you have not to die to get some stuff. So I know the point is to restart the level, but there's already a lot of levels that you have to do multiple times.
So it's a bit too much, I think. J'ai pas essayé le... C'est ça le truc que j'ai débloqué? Ça marche peut-être pas dans ces niveaux-là. But yeah, I was really hoping for a new Crash Bandicoot just like the old ones, and it's not exactly that, so... But that's okay, I can still replay the old ones, or... And I'm sure there's a lot of people who like this one, so... It's okay. Yeah, you have to do the level once to get the... Well, let's assume you get all the gemstones in one try. So you do it once. Then you have to do it again to get the... Nice. You have to do it... First of all, it's practically impossible to do it the first time without dying, but let's say you do it. You have the 6 gemstones, you have the badge, the tape, so everything. You have to do it again with the Enversed. I don't know if it's called like that in English. The Enversed mode. And then there are... many levels that you have to do again when there's a different character, stuff like that. So yeah, it's fun at the beginning, but the more you go into the game, the more it gets frustrating. And the gameplay of the other characters is not... I don't know, it's not fantastic. I like Tona, but the other a bit less. Cet imbécile de Cortex ne sait pas qu'on complote contre lui, juste sous son... Oh non. What? Oh no. L'insubordination, c'est si long. Okay. Dangereux. Mais il faut être très prudent.
Mais non, ah. I agree. Yeah, the filters on the inverse mode is really, I don't know. It's cool, but in most cases when you're trying to see all the hidden crates or stuff like that, it's really annoying. Oops. J'aime pas ça. Wait. Comment je suis censé faire pour avoir celle d'en bas là? Chaud là. Vite. Thank you.
J'avais pas vu qu'il fallait que j'aille vite parce qu'il y avait une caisse à droite. La mécanique des timers là, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. De toute façon, peu importe le jeu, dès qu'il y a un timer, ça m'emmerde. Et je sais pas, je trouve que ça manque un peu de checkpoints. J'ai l'impression que genre même ces niveaux-là, ils ont décidé de... Merde, d'être de plus en plus énervé niveau difficulté, même si pour le coup ça a l'air un peu plus graduel quand même. Comparé au jeu qui... Enfin, le jeu est difficile très rapidement, je trouve aussi. Genre, dès le deuxième monde, ça devient... le bordel. Ouais, je crois que j'ai ressenti l'accélération. Là. Pas sûr de bien comprendre comment ça marche, mais... gentiment attendre ici, on va se donner un peu plus de temps. Faut que j'attende que la caisse du fond elle se... voilà. Je ne veux plus nettoyer les clips de Bandicoot sur le sol! Ça doit faire mal.
Eh bien. C'était compliqué, mais c'était pas trop chiant, je trouve. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui est dans ces niveaux qui est pas dans les autres, et vice versa. Yeah, that was a bit tough, but it was okay, I think. I was just saying that I don't know what's in those levels that isn't on the normal levels, but those ones are almost never frustrating. And I don't know. Journal d'expérience. Dernier test du sujet Bandicoot. J'ai l'impression qu'hier encore le sujet venait me picorer des bouts de Wumpa dans la main. Oups. Je sais pas trop comment je peux faire ici. Il va vraiment pas revenir? Tant pis. Celui-là est mort. Il faut que je déclenche les TNT et que vraiment au dernier moment j'appuie sur le truc. J'avais pas pensé à ça. J'ai hésité à sauter par-dessus et j'aurais peut-être dû. Je sais pas si je pouvais. Pas une bonne idée de prendre autant d'avance. Je pense pas que je puisse faire ce saut. Ah putain, mais y'a un truc en bas. Ah, j'avais pas vu. Je crois que j'ai tout eu, mais je suis pas sûr. Crash en version. Oh!
j'arrive pas à le passer le sort. J'ai oublié que ça allait tout faire exploser. Repose en paix, petit bandicoot. Oups. J'arrive de moins en moins loin. Soit raté. Et j'étais pas sûr d'avoir... Alors là ça devient compliqué parce que je suis pas toujours sûr d'avoir pris toutes les caisses derrière moi et je peux pas revenir en arrière. Donc c'est pas toujours évident. Normalement là ça fait tout exploser je pense. Merde la TNT.
travail, Crash. Bon, j'avais peur d'en avoir raté, mais ça passe. Je vais faire une petite pause, je reviens. Ok, donc du coup là on commence le niveau de Coco si j'ai bien compris. J'espère que ce sera pas extrêmement difficile. On verra bien. Début du journal d'expérience. Nouveau sujet, nom de code Coco. Ça va être chiant parce que ça va mettre 3 plombes alors que... Alors que c'est censé être rapide. Est-ce qu'on peut augmenter le... Ouais, après je suis obligé d'augmenter le volume du reste, c'est relou. Oh.
en paix, petit Bandicoot. Je vois pas trop comment je suis censé faire, c'est un peu relou. J'aime vraiment pas les trucs avec des histoires de timing. J'ai vraiment du mal à penser... à penser comme ça en rythme. Quand c'est juste un cycle et que tout est synchronisé, ça va, mais là il y a trop de trucs qui sont... pas sur le même rythme. Parle-moi de tes qualifications. Eh bien, j'ai une licence en périphérique, Malik. Expérience ratée.
Je sais pas trop pourquoi j'ai pas... Je suis pas mort à ce moment-là, mais... Why not? Cette fusée dans ta tête, c'est une expérience qui a mal tourné ou... What? J'arrive vraiment pas à process le truc. Éventuellement passer en dessous en fait. Le problème c'est que si je passe en dessous, est-ce que je peux derrière... Ouais, je pense qu'il y a moyen, je sais pas.